الزول في اللون آتي سمثين أي ثمثن الزول الزول ولا نزول أكن جاغ أزرم لتتردي إيقو أرن نزة زرمي وسندي للبرلمان الأوروبي ينجمع avant deux jours si je ne me trompe pas le 11 mai 2023 ينجمع باش هذا يعني sur les sellettes le pouvoir Hams Bakri algérien a kni kun dnir ismi el herg smourt el khbayl la vidéo sen garous ikun khdema nigaon belli aqla la bonne voie voilà après un jour sur la vidéo a dit de chez grand le 11 mai 2023 Le Parlement européen il a siégé pour donner encore une fois une gifle au pouvoir algérien. Ce pouvoir qui est aujourd'hui aveuglé, il fait du can, mais je me la radinir. Et voilà qui, Igor Natas. أخلاق نسدو غوبريد سيناريو لا ليبي ثورة أبري لا رياكسيون دو بوفوار الجيريان سور لي ريزوليسيون دو بارلمون أوروبيان إي سوسون دي ريزوليسيون تري غراف أدريسي على مافيا الجيريان هادشي أكون دغرا فرانسيس داشي يتسلسل لارتيكل كي يكون فكاغ ثورة لي ريزوليسيون دو بارلمون أوروبيان سور لالجيري إي رياكسيون ألجيريان لو بارلمون أوروبيان ديسكوتي أون بلينيير يعني حضرن زكس tous les représentants des pays européens que compose l'Union européenne. C'est très grave ce que je vais dire. Donc, le Parlement européen discutait en plénière la situation des droits de l'homme en Algérie. La situation des droits de l'homme en Algérie. Tout cela fait suite aux démarches entreprises par M. Farhat Mehenni au niveau de ces mêmes instances. C'est le travail de longue haleine qui a été fait par l'opposition à l'étranger, qui ne dorment plus. Voilà le résultat. C'est pour ça que je vous ai dit, dans la dernière vidéo, que nous sommes en bonne voie pour démasquer les jaillissements du pouvoir algérien mafieux. Le Haut Comité aux droits de l'homme, on est la preuve, le mois de novembre 2022, si je ne me trompe pas, le 10 novembre, il y a eu la présentation par le pouvoir algérien d'un rapport détaillé sur les droits de l'homme en Algérie.
Mais le pouvoir algérien n'a pas donné suite aux doléances de celui qui était en face du ministre de la Justice algérien. C'était Farhat Mani avec son burnous berbère. Je vous ai fait une vidéo en conséquence où j'ai relaté la bravoure de ce bonhomme qui est Farhat Mani. Je ne soutiens pas, mais c'est ça la vérité. Il faut dire la vérité en face pour pousser ce pouvoir à changer ses habitudes avant le déluge. Avant le déluge. Et avant que l'ONU réagisse contre le pouvoir algérien. Monsieur Assoum Sqara Yathmathen, oui, Gif, Sidouna, Zawin, Samour, Achoual, Amqran, vous allez voir tout à l'heure. Des droits de l'homme, discuter en plénière la situation des droits de l'homme en Algérie, notamment en ce qui concerne la liberté d'expression. La liberté de la presse, et là je mets entre parenthèses, je vous ai montré dans la dernière vidéo concernant ma visite en Kabylie, j'ai mis au début de la vidéo une photo qui a rassemblé Khaled Drarni, ce Khbarji, qui a été taxé par le président de la République, M. Tebboune, il y a à peine 2 ans. Il l'a taxé de Khbarji. Et avant qu'il soit taxé, ce même journaliste lui a fait une interview dans une chaîne privée. Et aujourd'hui, ce journaliste, ce même journaliste qui est Khaled Drarni, a été félicité et gracié à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Le 3 mai 2023, si je ne me trompe pas. Et après les résolutions du Parlement européen, ce même journaliste, par ce même pouvoir mafieux, on lui a fait un ISTN, interdiction de sortir du territoire national. Après moi, c'est le déluge. C'est ça la devise du pouvoir algérien. Qui va nous conduire vers une impasse où on va s'engouffrer encore davantage dans un puits où une saralqa, un kikarn, l'khveilna. Je termine. En ce qui concerne la liberté de la presse, le Parlement européen a voté une résolution pour exprimer ses préoccupations et ses recommandations. À cette résolution, le Sénat et le Parlement algérien ont réagi condamnant cette résolution qu'ils considèrent comme une ingérence dans les affaires internes du pays. Le pouvoir. Héros, il m'exera la résolution à Eddie, concrétisée au niveau du Parlement européen. Et c'est très grave. Quand le Parlement européen bouge, c'est l'ONU qui va bouger, très prochainement. Eh ben, Adabou Héros, il harrek ses parties satellites en miniature. Qui ont fait des déclarations non fondées, des déclarations truquées, des déclarations mal intentionnées contre le Parlement européen. Ces prisonniers qui peuvent atteindre les 300 ou 400 prisonniers. D'opinion, politique, journaliste. Et parmi ces gens-là, ces
personne là emprisonnée, il y a, dans le Parlement européen a fait allusion, c'est Ehsan Qadi. Et que ce même Parlement a demandé, réclamé sa libération, immédiate, sans condition. Et ça, c'est une autre gifle pour le pouvoir algérien, qui est mis devant les barreaux du Parlement européen. Il y avait même des personnalités politiques, d'écrivains, qui sont allés à ce même Parlement se plaindre auprès de ce Parlement, et je suis en l'occurrence parmi eux, Fodil Boumala, qui avait tout un rapport très détaillé présenté au Parlement, et peut-être ce même rapport a fait l'objet d'une enquête approfondie pour vérifier ce qui se passe en Algérie aujourd'hui en matière du non-respect des droits de l'homme et les restrictions à l'encontre des journalistes qui sont faites par le pouvoir mafieux algérien. Je termine. Réuni en plénière le jeudi 11 mai, le Parlement européen a voté une résolution qui invite les autorités algériennes à respecter et à promouvoir les libertés fondamentales, en particulier la liberté des médias, consacrée à l'article 54 de la Constitution algérienne. Ils réclament également d'autoriser de nouveau les médias qu'ils ont interdits à mettre un terme aux arrestations et aux détentions d'activistes politiques, de journalistes, de défenseurs des droits de l'homme et de syndicalistes. Le Parlement européen a profité de cette résolution pour témoigner sa solidarité aux citoyens algériens qui manifeste pacifiquement depuis 2019. Et là, le Parlement européen fait allusion au Hirak algérien. Au Hirak algérien que le pouvoir a mis fin en provoquant des incendies de forêt dans notre cher Kabylie. Un certain 9 août 2021, je le répète, je répète cette date, le 9 août 2021 est un jour noir, est un génocide, un génocide provoqué en Kabylie. Le Hirak a commencé dans le Kabylie, il a terminé en Kabylie. Ça, c'est une vérité à ne pas ignorer. Le Parlement, je continue, le Parlement européen appelle également dans cette résolution les autorités algériennes à modifier les dispositions du code pénal algérien, notamment les articles 95 bis et 196 bis, qui ont trait à la sécurité et qui sont utilisés pour criminaliser la liberté d'expression, ainsi que d'aligner ou d'ajuster les lois restreignant la liberté d'expression sur les normes internationales. Et là, je fais allusion au rapport circonstancié fait par le Haut Comité des droits de l'homme à Genève en 2021 ou 2022. Il y a eu un rapport qui a été fait, adressé aux autorités algériennes. Restreignant la liberté d'expression sur les normes internationales en matière de droits de l'homme, en particulier sur le pacte international relatif aux droits civils et politique que l'Algérie a ratifié, a signé. Cette résolution du Parlement européen, adoptée à une grande majorité, à savoir 536 voix pour, en faveur de cette résolution, contre le pouvoir algérien, et 4 contre et 18 abstentions, rappelle qu'en convenu conjointement, dans les priorités du partenariat Union européenne-Algérie, qu'une presse pluraliste
est essentielle pour consolider l'état de droit et les libertés fondamentales, notamment la liberté des médias et la liberté d'expression. Alors, pour répondre positivement et pour apaiser la situation et pour soulager un petit peu les relations perturbées, le pouvoir algérien a fait bouger le Sénat. Donc, le Sénat algérien réagit à la résolution du Parlement européen. À la suite de cette résolution, le Sénat algérien a réagi. Le bureau de ce conseil du Sénat a rejeté la résolution et a affirmé sa désapprobation absolue de la décision du Parlement européen. Le Sénat considère cette résolution comme tronquée, contenant de terribles erreurs, adossées et enveloppées de principes de droit international qui en réalité ne sont qu'une couverture et les principes moraux ne sont qu'un prétexte. Le Conseil de la Nation indique que cette résolution est une ingérence dans les affaires algériennes. C'est le discours machiavélique. C'est un discours de fuite en avant. Le Conseil de la Nation va encore plus loin en affirmant que le Parlement européen est devenu une institution habituée à pratiquer la politique de l'arrogance et de la supériorité, réclamant le respect des droits de l'homme dans certains pays. Il a peut-être le pouvoir algérien, comme l'a confirmé le président Tebboune, il fait allusion à la crise palestinienne par rapport à l'ingérence des Israéliens et le conflit qui existe entre ces deux entités. Dans certains pays, tout en les massacrant, dans d'autres, il rappelle la situation de la Palestine et indique que le Parlement européen pratique le principe de deux poids, deux mesures et à ne pas nourrir de ressentiment et à sa haine apparente contre les pays qui ne comportent conforme pas à sa politique et l'exhorte à rechercher plus de crédibilité, à faire preuve d'enthousiasme comme il l'a montré sur d'autres régions géographiques du monde. Après le Sénat, c'est l'Assemblée nationale algérienne, l'APN, réagit aussi contre la résolution du Parlement européen. Comme il fallait s'y attendre, l'Assemblée populaire nationale n'a pas attendu pour condamner la résolution du Parlement européen. L'APN considère le contenu de la résolution infondé et erroné, emboîtant le pas au Conseil de la Nation. L'APN considère cette résolution comme une immixtion éhontée dans les affaires internes du pays. Ainsi, pour les députés algériens, le contenu de la résolution est totalement infondé, erroné et loin de la vérité sur la situation en Algérie où la scène médiatique connaît une dynamique, une ouverture, une liberté. Il s'agit d'une immixtion éhontée du Parlement européen dans les affaires internes de notre pays. Résolument déterminé à amorcer un véritable décollage à travers l'édification de ces institutions constitutionnelles souveraines, ajoute l'Assemblée populaire nationale. Le texte est très long, je m'arrête ici pour continuer avec vous à commenter cette résolution du Parlement européen. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Nous avons deux trajectoires. La première trajectoire qu'il faut éviter, c'est de pousser le pouvoir algérien à changer son attitude, à changer son discours, comme pour apaiser un petit peu la situation et aller vers un consensus de dialogue, de concertation au niveau de la base, pour lancer un message au Parlement européen comme quoi il y aura une ouverture médiatique. Et le champ médiatique
et donner plus de liberté aux médias d'activer et d'animer sans censure, alléger les lois, en cours du code pénal, sinon aller même à les abroger, comme un signe de confiance qui sera envoyé à ce Parlement européen pour qu'ils aillent pas vers une autre étape, vers une escalade, Le scénario est déjà prêt. Les ingrédients sont là. La deuxième trajectoire, c'est de libérer tous les prisonniers, politiques, journalistes, activistes, syndicalistes, qui sont aujourd'hui en prison et emprisonnés illégalement, illégitimement. Ces gens-là n'ont rien fait par rapport aux autres qui ont peut-être ou et ça, c'est une réalité. Des généraux qui sont en fuite, des ministres qui sont en fuite, qui ont dilapidé les richesses du pays et qui ne sont pas encore emprisonnés et qui ne sont pas encore aussi ramenés pour qu'ils soient jugés. Changer l'attitude du pouvoir vis-à-vis de l'opposition à l'étranger et notamment vers notre cher frère Farhad Mahni. Que le pouvoir algérien l'a considéré comme terroriste, alors que récemment Farhad Mahni a mis ses pieds sur le sol américain et il circule librement. Et ça, c'est une autre gifle pour le pouvoir algérien, comme quoi toutes les décisions de justice faites illégalement contre ces personnes sont nuls et non avenus. Si moi je fais une comparaison dialectique ou une comparaison analytique par rapport à la problématique qui règne aujourd'hui entre l'opposition et le pouvoir algérien, à vrai dire, on n'a pas une opposition. Si on met sur la balance, on prend Farhad Mahni et on prend Naïma Salhi, dont je dénonce un youtubeur qui a mis au même pied d'égalité Farhad Mahni et Naïma Salhi. Ces deux personnes sont contradictoires. Ces deux personnes n'ont pas le même niveau d'instruction, n'ont pas le même niveau d'idéologie, n'ont pas le même niveau d'expression, n'ont pas le même niveau d'éducation, et surtout le niveau d'éducation. Cette femme-là qui vient d'être jugée et qui n'a pas été encore emprisonnée après les graves dérapages qu'a fait contre notre cher Kabylie, cette femme-là, que vous connaissez tous. Et Farhad Mahni, qui n'a jamais prôné un discours de haine, un discours de division, un discours de régionalisme, il ne l'a jamais fait. Cette femme a été jugée en sa présence, avec la présence de ses avocats. Et voyez-vous, s'il vous plaît, comment a été le jugement? 6 mois de prison. Tandis que Farhad Mahni a été jugé en son absence, en absence de ses avocats, en absence de sa présence fictive devant les barreaux de la justice. Et voyez-vous encore la décision de la justice. Un mandat d'arrêt international contre Farhad Mahni. 20 ans de prison sans avoir commis aucun délit.
Sa faute, c'est qu'il a résisté au pouvoir en place, c'est qu'il a milité pour la cause identitaire, c'est qu'il a milité pour l'Algérie avant qu'il milite en faveur de sa Kabylie. L'histoire de Farhat et l'histoire de Naïma Salhi, Talha, Meshki Salhi, cette femme qui a ruiné, qui a failli nous emmener vers une guerre civile en 2019, en solidarité avec Gaïd Salah, qui lui-même qui a lancé ces brebis galeuses qui étaient balancées pour aller insulter la Kabylie tout entière et insulter aussi les Shuhada. Tandis que Farhat, comme un fils de shahid, qui n'a jamais insulté les Algériens. Au contraire, chaque événement et chaque fête religieuse, il lance ses vœux pour tous les Algériens. C'est un unificateur, il n'est pas séparatiste. Son idéologie est claire. Il veut libérer le territoire kabyle de l'hégémonie du pouvoir algérien. Tous les Algériens épouseront un jour les idées de Farhat Mahni. Il n'a trouvé aucune personne à ses côtés parmi les Algériens. Quand la Kabylie était à l'avant-garde des luttes républicaines, les Algériens dormaient, les Algériens dansaient. Et aujourd'hui même, ils dansent. Ils dansent. Certaines villes sont transformées en disco Maghreb. Les Algériens dorment encore, mais la Kabylie est vivante, est active. Elle bouge au nom de tous les Amazighs de l'Afrique du Nord. Comme le témoin ce drapeau qui est derrière moi. يبغض الحال ثورة القبائل هذاكوين أم لي زالجيريان إلا قذاكين Nous sommes tous dans le même bateau. Mais la Kabylie souffre aujourd'hui de beaucoup de choses. Souffre. La Kabylie a beaucoup sacrifié pour l'Algérie et pour les Algériens. Personne ne peut nier cette réalité. Y compris moi-même. Pourquoi je dis tout ça? Je le dis au fond de mon cœur pour que les Kabyles et les Algériens écoutent bien ce que je dis. Faites stopper ce régime algérien qui va nous conduire vers la dérive, vers le scénario libyen. Quand le Parlement européen bouge, c'est l'ONU qui va bouger. C'est la quatrième commission de la décolonisation qui va bouger. Agissez avant que ça soit trop tard, s'il vous plaît. Agissez. Awaliou, Atchegar, Iksan, la bonne foi. On commande de l'Algérie de changer la politique. Il ne faut pas offenser quiconque. Même le Parlement européen, la déclaration du Sénat algérien et la PN algérienne, et certains partis politiques parasites, tels que le FLN et ce parti de Hizb al-Mustaqbal, et Glenfon Royes Belaïd, Rohan al-Defan, le pouvoir algérien, alors c'est un parti d'opposition, Amkikar. Le FLN, la même chose. Le RND, la même chose. L'APN, composée de par majorité FLN, qui dénonce les résolutions du Parlement européen. Il y a un jugement du Parlement européen. Avec le Parlement européen. خدمنا العلاقة في إنسان ثورة 19 زكس يعني باش هزر مادة بوياكي ويتستحرى يزمر غياوي
À cheval. Et l'affaire Ihsan Qadhi, le journaliste Drarni, il se donne, il y a Adjaba. Il ne jamais bon le 3 avril 2023. Il a été invité par l'Espagne pour recevoir un prix. Et pourtant, Drarni, le représentant de RSF, Reporters sans frontières, c'est une organisation non étatique. Drarni et son représentant en Algérie. Il a été interdit de sortir du territoire national pour aller en Espagne recevoir son prix. Or, que Drarni, ce même journaliste, a assisté au comité d'honneur le 3 avril 2023, quand il a été reçu par le comité d'honneur présidentiel. Il a parlé même avec Tebboune. Et que ce même journaliste dernier lui a présenté une lettre officielle émanant de cette association des journalistes RSF, Reporters sans frontières. On connaît ce qu'il y a eu comme recommandation dans cette lettre et beaucoup de gens qui ont parlé que cette lettre a été très agressive vis-à-vis du pouvoir algérien. Ce que j'ai raconté comme information. C'est pour ça que Drarni a été interdit de sortir à cause de cette lettre que RSF lui a donnée pour la remettre à Tebboune. Et ça, c'est une autre gifle encore contre le pouvoir algérien. Et le Parlement, pour terminer, européen, a réclamé ouvertement la libération d'Ihsan Qadhi. Voilà, Rakan, Akun Khadmar, circonstancié. À cause de cette résolution très urgente émanant du Parlement européen. Et le Parlement européen prépare son rapport final pour le remettre à la quatrième commission de la décolonisation et au Haut Comité des droits de l'homme à Genève. Et à l'Assemblée générale de l'ONU. Méfiez-vous de ce régime. Ce régime est semblable au régime de Kadhafi, au régime de président de l'Irak, Saddam Hussein, au régime de Assad, au régime de la Tunisie. La Tunisie aujourd'hui aussi est en voie de dislocation. Il y a des perturbations qui se font aujourd'hui grâce à la course au pouvoir. Ces frérots, les frères musulmans, qui travaillent en coulisses et en discrétion pour déstabiliser toute l'Afrique du Nord, ces terroristes à la cravate ou au nœud de papillon, qui sont en train de jouer aujourd'hui et qui se préparent même en Algérie pour les échéances électorales de 2024. Soyez sûr, il y a quelque chose qui se prépare contre l'Algérie et contre la Kabylie, par l'Algérie, par le régime d'Alger. Il se dit que il va profiter de cette résolution pour agir négativement contre la Kabylie. C'est la Kabylie qui a dérangé le pouvoir d'Alger. C'est la Kabylie qui a fait bouger ses instances internationales grâce au cher frère Farhat Mahni, dont je le remercie, je lui tire chapeau et je lui dis, continue
à faire bouger ce régime et à le dénoncer et à le déstabiliser. Wagi, il t'aime un hachaoui niglan, nigs, vahkar, et hachkar les awaliens, et battre la tasse, à descendre les instances, mais je me la dîne ou awal. Aucune déclaration officielle de Tebboune, aucune, jusqu'à maintenant, ni Shangriha. Ils ont poussé indirectement les associations, le Parlement, le Sénat, pour faire des déclarations. On veut une déclaration du pouvoir algérien contre cette résolution du Parlement européen. Un zermin ou vergez. Yéoun ou vergez. Yéoun zgoun akhsar. Yéoun. Tsimara. Mishi vergez illa. Mishi vergez l'Ouigi. Ouigi, après nous, c'est le déluge. C'est des pantotas. C'est des sanguinaires. باش تكفو اكون دينيغ الزول ولا نزول راني قوس ان شاء الله